Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant vient de punir un homme qui s'est mal illustré en son nom. Il s'agit d'un jeune Gabonais de 29 ans qui jouait le rôle de faux pasteur à travers plusieurs escroqueries. Il a été arrêté par la brigade sud du camp Rousse sur place dans Dinyambo, Indassi, Lubesta, Lenyongo. Chassé le naturel, il revient au galop. Voilà un compatriote qui s'est illustré dans l'escroquerie. Aristide Thibault Makita, âgé de 29 ans, se fait passer pour un serviteur de Dieu. Ce cachet-là, il est le père spirituel des Roms. Voilà. Le deuxième cachet, il est le chancelier du pape François au Gabon. L'autre cachet, il est de l'église orthodoxe, autocéphale et canonique. Il utilise un temple, c'est-à-dire que lui-même il est devant, avec une personne qui semble consulter, mais derrière une autre pièce, une autre personne là-bas qui parle, qui fait des voix bizarres, des voix de génie. Et ce n'était qu'une supercherie. Souvent, lors des envoûtements, il faut que les martyrs essaient. Israël, Monsieur Lagaffe. Moutope da mundi yebene yala mundi mwawo. Patesi manangane bitoba manangane de banaba mieng. Nadoube loba. Nadoube pe mundi moussangi. Amen. Alo ba woye. Loba lami. Son son ya sunga bisoke ti ma boti boumaye. Alo ba wo. Loba la sou. Son son ya sunga bisoke ti ma boti boumaye. Yves de Milan. Apollo Mbarga. Allo bawo, lo malami. Son son ya son gabi soketi ma boti boumaye. Allo bawo, lo malasu. Son son ya son gabi soketi ma boti boumaye. Itu weda moto ne yala lo bae. Etuna moto ne yala loba. Le pasteur Mbia. Etuna moto ne yala loba. Etuna moto ne yala loba. Esomba moto atiti e yala loba. Israël. Esomba moto atiti e yala loba. Ende mangando mangando bunyate sondi atiti meeting ituwe da moto ne duna moto sondi tebe meeting babi nyolanje eh babi nyolanje mwasa alo bawo e lo balasu son son ya songa bisoketi maboti bumaye alo bawo lo balami. Son son ya son gabi soketi ma boti boumaye. Itu weda moto, ne duna moto son dite be mitin. Bito, bito ba ma wase ma ba. Nambang, son dite be mitin. Vous passez vos temps à donner l'argent à vos faux pasteurs et vous laissez vos familles mourir de famine. Est-ce que c'est cela que Dieu avait prévu pour vous? Hein? Ah. Alléluia.